Merci Jumap, les populations de Port-Cécile, le président et délégué de quartier, les groupements de promotion tenue. Merci à toute la population de Port-Cécile. Je pense que j'ai beaucoup de difficultés pour m'exprimer aujourd'hui, compte tenu de l'importance de l'événement. Et vraiment, merci à toutes les populations de Port-Cécile, à travers les représentations qu'on a eues ici, les deux ou trois, quatre tableaux, qui ont fini de nous vérifier sur la grandeur de ce village de Port-Cécile. Donc, je veux revenir sur la portée de notre rencontre d'aujourd'hui. Il est question d'échanger, de donner la possibilité aux jeunes de la Casamance, représentés ici par les jeunes de la commune de Guyane, les jeunes de la commune de Gouloulou et les jeunes de la commune de Tchokessi. Je disais donc donner l'occasion aux jeunes de la Casamance, et ils ont même dit ce que d'échanger avec les populations sur les questions qui les interpellent, à savoir les questions de migration, les questions d'emploi, les questions de développement en général. Et pour cela, je pense que il est important aujourd'hui de noter le point central lié à l'accès aux fonciers. Heureusement que ici à Tchokessi, la discrimination envers les femmes est moins sévère, puisque toute femme mariée, on lui octroie des misères. Maintenant, peut-être la difficulté c'est au niveau des champs de plateau. Hein? Et les femmes ont du mal à accéder aux champs de plateau. Et c'est donc l'importance qu'il faut donner aujourd'hui à cette rencontre. Nous voulons que la les jeunes échangent avec la population sur ces questions sensibles. Et donc, je pense que nous avons eu cette occasion et que les jeunes vont poursuivre justement ces échanges. En tout cas, les témoignages que nous venons d'entendre prouvent que, malgré les difficultés, il est possible ici à Tchokessi de donner de la terre à des jeunes, qu'ils soient jeunes mariés, qu'ils soient jeunes célibataires, en tout cas, qu'ils soient hommes ou femmes. En tout cas, ce témoignage qu'on a eu est éloquent. Donc nous devons poursuivre cet élan pour faire de la place à tous les Tchokessiens, d'où qu'ils viennent. Nous devons faire de la place pour qu'ils puissent développer l'agriculturisme. Moi, je suis de Kabylie. Je suis de l'autre côté de l'arrondissement, de l'ex-arrondissement de Gouloulou. Nous avons beaucoup de ressortissants de Tchokessi qui sont là-bas, qui sont en train de développer l'agriculture, qui développent des vergers importants. Donc, je pense aussi que nous pourrons faire de la place aux autres qui sont là avec nous. En tout cas, c'est le message que les jeunes veulent prendre. Pour que, d'abord, nous poursuivons nos efforts pour faciliter l'accès du foncier par rapport aux jeunes, aux femmes, et aussi que nous luttons efficacement contre les migrations clandestines. Mais aussi que nous essayons de prendre en charge les questions liées à l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le repas le mieux partagé sur le plan mondial. Partout ailleurs, tous les pays se désolent du fait que le sous-emploi affecte plus les jeunes. Donc nous devons lutter pour que nos jeunes trouvent des emplois. Nous avons des jeunes qui sont allés jusqu'au niveau, ils
parce qu'aujourd'hui, à ce métamorphe, autorité administrative, autorité locale, les OP et toutes les initiatives qui existent dans la localité, si nous nous mettons ensemble, avec bien sûr les jeunes eux-mêmes, je pense que nous pourrons mettre la lutte contre le chômage des jeunes. En tout cas, nous devons vraiment travailler pour que le jeune trouve des emplois. En tout cas, je veux dire merci spécial aux femmes, à travers les organisations de producteurs des femmes qui sont dirigées ici généralement par les femmes. Je veux parler de NFR, je veux parler de la Santé Modèle, je veux parler de la Jacques Group, je veux parler de l'association des planteurs, l'association des éleveurs, l'association des horticulteurs, plus que la grande association des développements de promotion. En tout cas, merci à la population de Torquay.